Cher docteur, aujourd'hui, j'ai 22 ans et je ne veux plus avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'être seule dans le métro. Je n'ai pas peur de marcher tard la nuit. Je n'ai pas peur des attentats. Je n'ai pas peur d'aller courir. Je n'ai pas peur de rater ou d'échouer. Je n'ai pas peur de gagner de l'argent. Je n'ai pas peur de devenir patron. Je n'ai pas peur de mes origines. Je n'ai pas peur de te faire tomber amoureux. Je n'ai pas peur de te briser le cœur non plus et j'ai encore moins peur de me faire briser le mien. Je n'ai pas peur d'assumer mon corps. Je n'ai pas peur que tu me trouves moche. Je n'ai pas peur d'assumer ma sexualité. Je n'ai pas peur de me faire siffler dans la rue. Je n'ai pas peur de finir seule. Je n'ai pas peur de cette foutue première fois. Je n'ai pas peur d'avoir des poils. Je n'ai pas peur d'avoir mes règles. Et je n'ai pas peur de donner la vie. Je n'ai pas peur de faire des vidéos sexualité. Je n'ai tout simplement pas peur de parler de sexe. Je n'ai pas peur d'être jugée. Je n'ai pas peur du regard des gens. Je n'ai pas peur d'être une femme. Je n'ai pas peur d'être moi. Je n'ai plus peur. Plus peur de vivre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais conclure avec cette mini conclusion juste pour vous dire qu'il faut arrêter d'avoir peur. Peur de tout. On voit souvent le mal partout. Et c'est dommage puisqu'au final, en ayant autant peur, on oublie finalement de réellement vivre notre vie. Et voilà, c'est une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appelleront les chers docteurs. Le principe sera simple, c'est une patiente qui se pose beaucoup de questions sur la vie, dont moi, qui parle à son docteur. Et mon docteur, c'est vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez une autre, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Aux 15 000 pouces en l'air, je vous ferai le cher docteur numéro 2 avec un autre sujet. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Hey, panier! Tombé dans le tiroir. Je dis ça, je dis rien. Hein.